Alors, on parlait de surprise, on a peut-être une surprise, une demi-surprise, parce qu'on va essayer, on est en train d'essayer d'avoir justement Sébastien Loeb au téléphone. Alors, on ne vous garantit pas la liaison, Dominique va peut-être m'aider aussi. Il va vous expliquer, on va essayer de l'avoir parce qu'il a des tenues quand même à venir à dire quelques mots. Alors, on va faire comme à l'ancienne école, avec le téléphone vers le micro. Est-ce que Sébastien Loeb, vous nous entendez? Est-ce qu'il est là, Sébastien? Sébastien, est-ce qu'il est là? Voilà, vous m'entendez? Très bien. Ben voilà. Sébastien, merci en tout cas, je sais que vous êtes très très occupé. Les reconnaissances rallye, un peu de promo, un peu de circuit, ce qui explique votre absence aujourd'hui? Tout à fait. Aujourd'hui, on tournage occupe. Ce week-end, on était à Solberg pour une course en circuit qui s'est d'ailleurs pas trop bien passé, mais bon. Et là, je suis encore en Belgique pour un tournage. Et puis, le départ pour l'Argentine en fin de semaine. Après quelques succès, on va au galop. Alors, la bonne nouvelle pour nous, c'est que vous serez présent. Le choix du Rallye France Alsace, est-ce qu'on peut parler d'un choix de cœur pour vous, Sébastien Loeb? Bah oui, tout à fait. C'est le meilleur souvenir de Rallye pour Alsace. Il y a eu 2010 et 2012, où on a gagné le titre de Rallye pour un temps. Tout ça dans ma vie de natale, c'est un souvenir incroyable. Donc oui, à partir du moment où j'ai décidé de faire quelques rallyes, le choix du Rallye France en Alsace coulait sur. On vient de voir le parcours, si vous avez eu quelques échos sur ce parcours. Votre avis sur cette version 2013 du Rallye France Alsace? C'est à peu près le même que les dernières, non? Ouais, donc vous serez sur la plus grande du podium, si c'est le même, pas de soucis. En tout cas, de toute façon, ça a toujours été des beaux parcours. C'est vrai que c'était très belle spéciale l'an dernier. Il me semble qu'il y a quelques petits motifs, mais globalement, ça reste quand même assez proche. Donc, moi, c'est une spéciale que j'aime bien. Et donc, voilà. Pour moi, c'est un très beau parcours. Et c'est un rallye qui me fait énormément de plaisir. Et j'espère qu'on aura toujours autant de supporters sur le bord des routes. C'était vraiment génial. J'imagine qu'il y aura même encore plus. On vous connaît, une fois que vous avez le casque sur la tête, vous venez pas en Alsace faire du tourisme, ça sera pour aller chercher une grosse performance. C'est vrai que quand j'ai le casque sur la tête, généralement j'essaie de donner de mon mieux, donc de faire de mon mieux. C'est ce que j'ai essayé de faire encore une fois en Alsace. Et c'est un rallye que j'apprécie beaucoup. Et puis, j'ai quand même annoncé que c'était ma dernière saison, et ça sera sans doute le dernier rallye, en tout cas en championnat du monde. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir de pouvoir le faire là-bas. Nous avons parlé, justement, avec Dominique Sarriès de cette cérémonie d'arrivée. Je crois qu'il y avait beaucoup d'émotions pour vous l'an passé. Apparemment, Dominique Sarriès vient de nous dire qu'il y aura des surprises vous concernant. Vous allez rencontrer Emus. Vous attendez ce moment, même si vous n'êtes pas sur le podium, vous serez quand même avec nous. Oui, c'est quelque chose de quoi je ne crois pas forcément compter. Vous ne voyez pas, vous allez l'entendre parce que tout le Parlement européen va vous applaudir. Sébastien. Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Monsieur